Bonjour, je vais tester dans cette vidéo deux moyens de diluer de la peinture acrylique. Le premier, c'est l'eau, classiquement, et on dit toujours qu'on peut le faire, bien sûr, chimiquement, il n'y a pas de problème, mais que ça altère un peu la qualité, la richesse de la pâte. Et deuxième test, pour comparer avec du médium à peindre liquide, qui est l'outil prévu pour diluer la peinture acrylique. On va faire le test et puis on va voir s'il y a une différence. Donc le premier test. Donc je prends de la peinture, je pars d'une base de peinture acrylique extra fine pour avoir une belle pâte de qualité et pour avoir une forte concentration pigmentaire. Voilà, ce sera plus simple pour le test normalement. Et puis je vais mettre donc ici du médium à peindre. J'ai été généreux que je vais préparer. Voilà, je vais ajouter un peu de médium à peindre ici et on va préparer notre mélange pour avoir une dilution. Vous voyez, ça altère un peu la couleur, mais soyez rassurés, en séchant, le médium redevient transparent. Donc voilà, voilà ce qu'on peut obtenir. Vous voyez, très vite, on est dans une couleur qui reste grasse, qui est fluide et puis transparente. Donc on a des beaux effets sympas. Voilà. Je vais quand même appliquer la peinture pure, quand même pour voir. Voilà, pour voir. Comparer. Donc plus pâteuse, bien sûr, hein, surtout pour une extra fine d'ailleurs. Hein. Et très concentré, très 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 concentré. Donc il n'y a quand même pas photo. Et on va faire la troisième expérience. Il me reste de l'eau, voilà, ici, je vais reprendre, sans me tremper, de l'acrylique extra fine, et cette fois-ci avec de l'eau. Bon, mélange un peu moins facile. Faisable quand même, hein, voilà, on y arrive. Voilà, on a un jus très rapidement. Voilà. Bon, réaction différente. Hein, on voit qu'il y a une réaction différente. Parce qu'on a quelque chose qui se lisse plus facilement, c'est normal. Hein, on a le gel médium qui fait toujours effet de pâte résineuse, alors qu'ici on est plus dans quelque chose qui est très aquarellé, qui a des effets sympathiques aussi, mais il y a une vraie différence. Elle se sent, alors elle se sent au pinceau, je sais pas si vous la voyez en vidéo, mais elle se sent au pinceau. On va en reparler, mais il y a bien une différence. Par contre, on a deux résultats intéressants, trois résultats intéressants en final. Bon voilà, test super rapide, assez facile, hein. Donc l'extra fine pure, pâteuse, concentrée, l'extra fine diluée avec du médium à peindre, et l'extra fine dilué à l'eau. En fait, les deux résultats sont intéressants, mais ils sont différents. On a bien à l'eau, rapidement, alors ça dépend des proportions, mais quelque chose d'assez aquarellé, pour un glacis sans problème, mais avec des traces. Ben voilà. Alors que quand on a dilué avec le médium, on a quelque chose de plus glissant, de plus homogène dans la répartition des pigments, et avec des effets différents. Donc, il n'y en a pas un qui gagne sur l'autre, simplement soyez conscient de la différence. On peut faire les deux, vous pouvez diluer votre acrylique avec de l'eau, dans des proportions raisonnables, pour garder quand même la consistance et puis la qualité définitive, hein, permanente de la peinture, et ou avec un médium à peindre, pour avoir ces effets plus lisses, plus glissants et plus soyeux. Voilà, pour les glacis, quand même peut-être à privilégier. Mais dans tous les cas, là, les deux résultats sont intéressants. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements et à très bientôt.